Vous écoutez RTL. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Bazin. Ah ben bonjour Patrick Sébastien. Salut, putain, c'est génial. Il est revenu. Ah putain, alors je vous l'avais promis. C'est le premier mai. Salut les filles. Merci. Salut Jade. Ouais. Salut Caroline. Vous l'avez reçu mon bras, vous l'avez vu. Avec mes deux clochettes, putain j'en ai pas rire. Putain, il est dru, hein. Il est dru cette année. Il y a eu de la neige, mais je comprends pas. Putain, il est super dru. Il est en pleine forme. Il sent bon, ouais. Putain, il est... Oui. Oh putain, c'est génial ce 1er mai. Moi j'adore, j'adore. Il y en a qui défilent et il y en a qui s'enfilent. Putain, c'est la fête. C'est génial. Alors, pour faire la fête un petit peu, voilà, en ce 1er mai, j'ai pensé à tous ceux qui sont peut-être seuls ce jour du 1er mai. Et une petite chansonnette pour leur remonter le moral à ceux qui défilent. Enfin, moi je suis un humaniste. J'aime les hommes, j'aime les femmes, j'aime ceux qui défilent, j'aime ceux qui s'enfilent aussi, je l'ai dit. Alors, quelques petites chansonnettes d'actualité, chansons d'amour. Elle lui fait tweet tweet, il lui fait tweet tweet, ils se font tweet tweet, puis ça y est. Il sourit tweet tweet, elle sourit tweet tweet, il sourit tweet tweet, ils sont compris. Et quand elle lui a bien chanté sa petite romance, il dit dernière enchantée, je voudrais que tu recommences. Elle lui fait tweet tweet, il lui fait tweet tweet, ils se refont tweet tweet, et puis ça y est. Ah bah ils arrêtent pas, hein. Ils vont avoir mal aux doigts, forcément. J'ai essayé d'envoyer de toute heure, mais de toute heure. Mais j'ai des gros doigts, un tout petit téléphone, c'est pas commode pour faire un tweet tweet. Une petite chanson à l'attention de notre président de la République, Monsieur François Hollande. Feignasse, feignasse, ça va bien à notre président. Feignasse, feignasse, il nous donne rendez-vous dans 2 ans. Feignasse, feignasse, oui mais qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? À Brégançon, il se prélasse. Feignasse, feignasse, et il va nous foutre dans la poisse. Feignasse est notre président. Manuel Valls doit avoir l'autorité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, Manuel Valls a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tagadagada tactique de Manuel Valls, c'est de bien expulser les Roms, les sans-papiers. La tagadagada tactique de Manuel Valls, c'est d'avoir avant tout plus de poigne que le tout mou. Des expulsions, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tagadagada tactique de Manuel Valls, c'est de faire constamment comme Sarkozy avant. Une chanson réaliste sur le président de la République. Il est devenu président grâce à DSK et Sapine. Et depuis cet obsédant, il veut taxer les richissimes à 75% d'impôt sur le revenu. Ça ira mieux dans 2 ans. Oui, mais on l'aura dans le... C'est un président normal qui nous prend notre pognon. Car son but, son idéal, c'est de prendre du pognon. On va tous être à la rue, il n'y aura plus de pognon. On se retrouvera tout nu, on n'aura plus un rond. C'est ça qui est triste. Ah ben c'est vrai, c'est triste quand même si on n'a plus d'argent. Comment on va faire? Il est bien marrant d'être normal, mais c'est pas normal.
Suite à l'adoption du mariage pour tous par le Parlement, on constate une affluence de demandes de célébration dans les mairies. Bien entendu, Paris n'échappe pas à ce phénomène. Et pour faire le point sur la situation, nous recevons le maire de Paris. Bonjour Bertrand Delanoë. Smack smack, mademoiselle Jade. Et vive les mariés à tous les Parisiens et toutes les Parisiennes. Ah, smack smack, monsieur le maire. Vous avez reçu beaucoup de demandes de mariage pour tous à la mairie de Paris. Oh là 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 là, mademoiselle Jade, vous croyez pas si bien dire. C'est la cata. Ah. On a reçu des sacs entiers de demandes de mariage. Mmh. Ta 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 ta. Moi qui pensais finir tranquillement mon second mandat en me reposant, je suis servi. Alors, dans une interview récente, vous avez déclaré que ce flot de demandes émanait de tous bords, même de droite. Mais oui, ça arrive de partout, de tous les bords, de tous les âges et de tous les sexes. Ah, ça promet ce printemps, hein. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, au mariage de votre cousine Guéret. Oui. Mais après la cérémonie, les gens qui se sont mariés, ils aiment que ça se sache. C'est vrai. Ils nous déclinent aux portières, accrochent des ballons de couleur au pare-choc. C'est ce qu'on a fait. Oui, oui. Ils jettent du riz sur la tête. Oui. Ils klaxonnent. Ta-da, ta-la-la-la-la-la. On se croirait dans mes embouteillages de la rive gauche. Heureusement, quand ils divorcent, ils font moins de bruit. Non. Alors, monsieur le maire, ne boudez pas votre plaisir. Vous avez déclaré, je cite, que vous alliez célébrer les mariages homo avec la même joie que les mariages hétéros. Mais bien sûr que j'aurai la même joie. Youpi ! De les déclarer mari et femme, mari et mari ou femme et femme. À condition qu'ils ne m'invitent pas à leur soirée de mariage à un château de banlieue, réservé 2 ans à l'avance avec des serviettes de table pliées en forme de cygne. Ah non, hein. J'ai pas envie de faire la danse du ballet avec tonton Jean-Marc jusqu'à 4h du matin. Ah, accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. Ah, la queue, le. Ah non, hein. Très peu pour moi. D'accord. Ben dites-moi, Bertrand Delanoë, vous qui êtes de bonne humeur d'habitude, vous avez l'air un peu très agacé ce matin. C'est vrai que je suis très en colère en ce moment, mademoiselle Jade. Grrr, ouh. Ah ben écoutez, allez-y. Bisque rage. Allez-y, monsieur le maire, dites-nous ce qui vous énerve comme ça. Ce qui m'énerve, c'est qu'avec mon Anouchka Anne Hidalgo, on avait prévu que Rachida Dati allait faire perdre la favorite aux élections à la mairie de Paris. Oui. Mais la semaine dernière, patatras, Rachida Dati s'est retirée. Résultat, si ça se trouve, l'année prochaine, mais j'espère pas, c'est Nathalie Cause-Toujours-Morissette qui va célébrer les mariages pour tous. Ça va être gay.